Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des pommes dauphines maison. Voici les ingrédients pour 6 personnes. 500 g de pommes de terre, de la muscade, du poivre et du sel. Tous ces ingrédients, c'est pour faire la purée. Voici les ingrédients pour la pâte à choux. 25 centilitres d'eau. Une pincée de sel, 4 œufs, 125 g de farine, 80 g de beurre. Dans une casserole, mélangez l'eau et le beurre. Voici l'eau et le beurre dans la casserole. Rajoutez une pincée de sel, portez à ébullition. Lorsque le beurre est complètement fondu, retirez-le du feu. Voici le beurre fondu et qui a bouilli. Retirez-le du feu. Excusez-moi. Retirez-le du feu et rajoutez la farine d'un coup en remuant énergiquement avec une cuillère en bois. Voilà le mélange fini. Portez à nouveau la casserole sur le feu en continuant de remuer jusqu'à ce que la pâte se détache des parois de la casserole. Voici la pâte finie. Hors du feu, ajoutez les œufs l'un après l'autre, bien mélangés à l'aide d'un fouet. Et la pâte à choux est prête. Voici la pâte à choux finie. Réservez-la. Maintenant, faire cuire les pommes de terre à l'eau bouillante. Voici l'eau dans la casserole. Laissez-la bouillir et rajoutez un peu de sel. Voici l'eau qui bout. Les pommes de terre dans l'eau bouillante et laisser cuire 20 minutes. Après, les peler et les écraser au presse-purée ou à la fourchette, comme vous voulez. Voici les pommes de terre cuites. Pelez-les et écrasez-les au presse-purée ou à la fourchette. Voici les pommes de terre écrasées en purée. Incorporez la purée à la pâte à choux, ajoutez la noix de muscade, le poivre et mélangez bien le tout. Voici la pâte à choux avec la purée finie. Mettre dans une poche à douille ou avec deux petites cuillères. Déposez des petits tas de pâte sur une plaque ou dans un plan de travail. Farinez. Formez ensuite des petites boules de la taille d'une noix avec vos mains farinées. Jetez-les dans une huile de friture bien chaude par petites quantités jusque les pommes dauphines soient bien dorées. Voilà, voici les pommes dauphines finies. Bon appétit à tous. Je les ai fait à la poêle avec de l'huile. On peut les faire à la friteuse aussi.